D'une croisière pour leurs vacances à bord du Sloogie, Doniphan et sept de ses camarades de collège tombent, ainsi que le navire et son équipage, aux mains d'une bande de pirates. Ceux-ci ont l'idée de négocier une rançon auprès des familles des jeunes gens afin de financer une expédition qui doit les mener à la découverte d'une île mystérieuse réputée pour son fabuleux trésor. Les jeunes gens ruinent cependant le projet des bandits en parvenant à s'enfuir avec le navire au cours d'une descente à terre des mutins. Sans hésiter, les collégiens et le mousse du navire demeuré avec eux s'efforcent, malgré les difficultés, de regagner la Nouvelle-Zélande. Mais, seuls à bord, inexpérimentés, incapables de manœuvrer le Sloogie, ils sont entraînés par une tempête en plein Pacifique où le navire, désemparé, finit par venir s'échouer sur une côte inconnue et apparemment déserte. La première nuit passée à terre, les jeunes gens, quelque peu remis de leur fatigue et encore dans l'euphorie de se retrouver vivants après un tel cauchemar, se préoccupent de savoir où ils se trouvent grâce aux appareils de bord. Mais le point que trouve Wilcox, le savant de la bande, les situant en plein cœur des terres de Nouvelle-Zélande, on peut douter de l'exactitude de ses calculs. Il faut qu'à 4 heures, toutes ces marchandises soient à fond de cale. Je signerai les documents demain matin. Je suis désolé de vous laisser savoir, mes chers amis, mais depuis hier soir, rien de nouveau. Et nous ne pouvons vous donner plus de précisions, hélas. Mais je ne comprends pas. Quelles mesures comptez-vous prendre? Depuis hier, des dizaines de rapports m'ont été transmis par télégraphe. Oui. L'armée et la police sont sur les dents, mais il n'y a aucune trace des flibustiers. Mais enfin, ce n'est pas possible, monsieur le commissaire. Vous devez les retrouver, Buchanan. Si vous ne les retrouvez pas, je vous le jure. Nous repérerons ensemble, monsieur Baxter. Je peux vous l'assurer. Mais ils sont peut-être blessés. Je vous en prie. Service, rien de neuf? Rien. De toute façon, que voulez-vous qu'il y ait? Un navire, pardi, ça ne doit pas être si rare sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. À part ce que vous y croyez, vous? À quoi donc? Que nous sommes en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas ailleurs? Peut-être sur une île déserte, comme ce cher Robinson. Taisez-vous, service. De toute façon, pour le moment, il vaut mieux ne pas bouger d'ici. Et l'hiver qui approche, vous y avez pensé? D'ici 3 semaines, un mois, il ne fera pas bon de coucher à la Belle Étoile. 3 semaines, un mois? J'espère bien que nous serons à Auckland. Ce n'est pas en restant les fesses dans le sable qu'on y arrivera. Bon, alors on pourrait peut-être rafistoler le bateau. Oh non, 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 ne comptez pas là-dessus, mon vieux. Dans l'état où il est... Oh, j'en ai assez de vos parlottes, j'ai décidé d'agir. Et en faisant quoi? En fichant le camp d'ici, figurez-vous. Et pour aller où? Ça, ça m'est égal. En marchant droit devant soi, on doit bien arriver quelque part. Et puis comme ça, je saurai où je suis. Mais enfin, Doniphan, c'est de la folie. On ne peut pas partir comme ça sans réfléchir. On doit mesurer les risques, les chances. En raisonnant ainsi, on fait jamais rien de bon. La fortune sourit aux audacieux. Aux audacieux peut-être, mais pas aux irresponsables. Vous, je crois que le moment est venu de vous donner une bonne leçon. Voilà déjà longtemps que vous la méritez. À votre service, monseigneur. Non, Doniphan, vous n'allez pas. Eh bien, je vois que vous êtes tous contre moi. Mais pas du tout, Doniphan. Ce serait du reste, ma décision était déjà prise. Puisque vous semblez tenir à votre épave, à vos petites mesquineries, restez-y, moi je m'en vais. Ce n'est pas sérieux, Doniphan. On ne peut plus sérieux, au contraire. Quoi, vous allez partir à l'aventure? Mon cher, c'est toujours à l'aventure qu'on part. Bon, bon, on passe l'éponge, Doniphan. Non, mais c'est pas à cause de vous. Je suis sûr que mes calculs sont exacts à présent. Eh bien, raison de plus, ce soir je serai à Auckland.
Ah, du reste, Dixon part avec moi. Si vous y tenez, mais... Vous êtes au service de mon oncle, n'est-ce pas? Très bien, Dick, allez avec lui. De toute façon, on ne peut pas le laisser partir seul. Je n'ai que faire de vos appréciations. Hé, hey, si Doniphan et Dick s'en vont, moi je pars aussi. Ah, je trouve ça idiot, mais puisqu'on ne peut pas l'empêcher. J'aime vous l'entendre dire. Hé, hey, que faites-vous, Dixon? Je prends vos affaires. Pas question, chacun son chargement. Vous êtes prêts? Allons-y. Allons, ne vous obstinez pas à rester avec nous. Bonne chance quand même. Merci. Merci. Tête de mule. Quelle direction prend-on? Sur le plancher des vaches, moi, j'avoue que j'y connais pas grand-chose. Le mieux me paraît de continuer perpendiculairement à la mer. Tant mieux, la mer, on l'a assez vue. Alors allons par là, on verra bien. On rencontrera peut-être un village. À cette hauteur, on pourra le voir à quelques bons milles de la côte. Le jour, en tout cas. Je croyais que vous deviez commencer à sortir les marchandises de la cale pour les faire sécher. À quoi bon? On en a bien assez comme ça. Vous en avez de bonnes. Et s'il faut qu'on reste ici plus longtemps? Eh, vous voulez rire, non? On est bien en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de raison qu'on moisisse ici. Bien sûr, en principe. Quoi, vous n'avez pas confiance dans les calculs de Wilcox? Tout de même, il vaut mieux prévoir, non? Mais ma parole, vous parlez presque comme Doniphan. Écoutez, Brian, il faut que chacun y mette du sien, sinon on ne s'en tirera jamais. Il a raison. Nous devons nous organiser en attendant les secours, non? Bon, il faudrait qu'on sache exactement de quoi on dispose. Il faut grimper sur ce rocher, on aura une vue d'ensemble. Il y a peut-être un autre chemin pour monter sur la falaise. Faites ce que vous voulez, moi je préfère la voie directe. Très bien. Puisqu'il tient à se rompre les os, qu'il y aille. Par là, c'est pareil et moins dangereux. On y est presque maintenant. Seriez-vous le seul, par hasard, de toute cette bande à posséder quelques sens de l'humour? Et vous voulez qu'on vous aide? Merci, messieurs. Je vois que vous avez le triomphe modeste. Vous avez plus souffert que nous. Mon oncle disait toujours, tous les chemins mènent à Rome. Allez, en route.
dirait que ces pierres ont été placées là exprès pour nous. Il y a des pierres partout, ça peut être aussi bien le hasard. Je crois que ce serait plutôt un passage de bêtes qui viennent boire ici. Pourtant, on ne voit pas de traces. Ah, le sol est trop dur. Des bêtes. Mais quel genre de bêtes? Ce n'est pas un lièvre ou même un daim qui a pu faire cette trouille dans les taillis. Ce serait des grands fous, plutôt. Peut-être. Bon, on continue. Et maintenant? On pourrait peut-être faire une liste de tout ça. Et pourquoi faire? Je ne sais pas, il me semble que ce serait mieux. Vous croyez que si un bateau passe, il va s'encombrer de ce bric-à-brac? Et s'il n'en passait pas? Je commence à penser que j'aurais mieux fait d'aller avec Doniphan. Eh bien, vous n'aviez qu'à le faire. Vous entendez si bien tous les deux. Ah non! Vous n'allez pas vous disputer, ça suffit comme ça. Le plus important, c'est de faire un abri avec une voile. On ne sait jamais s'il pleuvait. Eh, Brian. Oui. Vous êtes fou, Dixon? Un coup de feu pourrait nous trahir, et c'est justement ce qu'il faut éviter. Et pourquoi? Et si c'est des hommes qui ont fait ce passage? Mais justement, c'est bien ce que nous cherchons. Oui, mais on ne sait pas où on est. C'est peut-être une tribu sauvage. Je crois qu'on aurait mieux fait de rester avec les autres. Mais non, Gordon, tirez pas de votre côté. Eh, vous êtes drôle, vous tirez encore plus fort que moi. Ah, mais dépêchez-vous, je meurs de froid là-haut, moi. Tenez bon, sinon tout va s'écrouler. Wilcox, venez m'aider. Tu crois que ce sera mangeable? Ce sera délicieux et puis c'est plein de phosphore. Hé, hey, vous deux, je vous ai dit de passer un chandail. Allez, allez, vous allez attraper froid. Si le temps reste couvert, c'est encore une journée de perdu. Les bateaux risquent pas de nous voir. Oui. En attendant, on va arranger ça pour la nuit. Si la pluie continue à tomber comme ça, je crois que le feu ne tiendra pas. Et s'il s'éteint, qu'est-ce qu'on va faire? Restez donc tranquille et mangez. Je ne tiens pas à être dévoré par les fauves. En cas de danger, Fan nous préviendra, non? Oh, lui, vous savez. Dick. Vous ne m'en voulez pas trop de vous avoir entraîné dans cette aventure? Oh, non, je ne vous en veux pas. J'étais un peu brutal ce matin. Ce que vous m'avez dit est vrai. Je suis au service de votre oncle. Je me demande si ça veut encore dire quelque chose. Soyez tranquille. Je ne vous aurais sûrement pas laissé partir, ça. Bon. Eh bien, vous devriez dormir maintenant. Je vais prendre le premier tour de garde. Non, laissez-le-moi. Vous prendrez le second au service le troisième, ce sera moins dur. Alors réveillez-moi en cas de danger. C'est ça, bonne nuit. Je n'ai pas envie de dormir. Essayez quand même. Doniphan, hein? Réveillez-vous. Quoi, qu'y a-t-il? Là, dans les buissons. Eh bien? Comment, vous ne voyez rien? Vous avez rêvé, il n'y a rien. Alors pourquoi Fan a grondé? Un oiseau nocturne, peut-être, une chouette ou un hibou. Pourtant, j'ai bien cru apercevoir une forme humaine. Vous avez trop d'imagination, service. Le jour se lève, allez en route, nous n'avons pas beaucoup avancé hier. Dixand! Réveillez-vous! Dixon, allez, debout, on part! Bonjour! Bonjour!
Le ciel est plus clair ce matin, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Gordon. Oui. Si on faisait un feu, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, un feu qu'on pourrait voir du large. Et avec quel bois? La carcasse du Sloogie, pardi. Il y a de quoi entretenir un feu pendant des jours entiers. Ce serait quand même dommage, non? Mais que voulez-vous donc en faire? Je ne sais pas, il y a tellement de choses qui pourraient servir ici. Mais servir à quoi? Oui, bah vous avez sans doute raison. Qu'est-ce que vous prendrez? Ici, j'ai du thé et aussi du café. Du café. Ça vient. Et vous, Brian, vous prenez quoi? Hein? Je vous propose du thé ou du café. Vous pouvez choisir ce matin. Ah, du café, du café. Ça vient. Encore la mer? On n'a pas de chance. Nous sommes bien sur une île. C'est ce que je craignais. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit déserte. Continuons par là-bas. En somme, nous pourrions rester là pendant des années. Toute notre vie, peut-être. Tout de même, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Dick? Le Pacifique est grand, vous savez. Et nous ne savons pas dans quelle direction le bateau a dérivé. Venez vite, Donifan. Venez vite par ici. Regardez, s'il la boit, c'est que ce n'est pas de l'eau de mer. De l'eau douce, mes amis. Dans ce cas, ce n'est peut-être pas une île. Mais c'est pas la mer, c'est un lac. Un lac! Ça, il est bigrement grand, ce lac. On ne voit même pas l'autre rive d'ici. En tout cas, nous ne sommes pas en Nouvelle-Zélande. Un lac pareil, ça n'existe pas chez nous. Allez, on continue. À ce feu-là, on doit le voir depuis Wellington jusqu'à Auckland. On dirait une rivière qui vient se jeter dans le lac. On va la remonter en longeant la rive. Regardez ça. Il n'y a pas de doute, c'est des hommes qui ont fabriqué ça. Ça devait servir d'embarcadère? Ouais, et il n'y a pas longtemps. Je suis sûr que ceux qui ont construit cette jetée ne sont pas loin. Allons par là, on trouvera peut-être quelque chose. Ces arbres ressemblent à ceux de chez nous. Ça ne veut rien dire, simple question de latitude. Service, attention! Service! Service! Vous n'avez rien? Je ne crois pas. Attendez, on va vous sortir de là. Vous pouvez dire que vous avez une sacrée chance. Vous croyez? Ce fossé vous a protégé, sinon vous étiez écrabouillé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi non plus, j'ai entendu Donifan crier et puis j'ai vu l'arbre tomber tout droit sur vous. Je me suis pris le pied dans une liane, j'ai tiré pour me dégager, l'arbre est tombé. Là. Venez voir! Regardez ça.
Et là, on dirait qu'il a été attaqué à la hache. Quoi, ça sera un piège? Un piège? Pourquoi? Est-ce que je sais? Moi, j'essaie de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre, il faut être prudent. En tout cas, on fera bien d'avoir l'œil. Et surtout, faites attention, vous mettez les pieds. D'accord. Fan, où est Fan? Je crois qu'il a découvert quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette cabane? Allons voir à l'intérieur, il y a peut-être quelqu'un. Je crois que M. Briand va regretter d'être resté là-bas à moisir sur sa plage. Une bougie. Je vais essayer de l'allumer. Dick, venez voir. Regardez. Voilà le lac. Ici, la baie où nous avons échoué. Et là, la rivière. Une île. C'est bien sur une île que nous nous trouvons. Cette fois-ci, le doute n'est plus possible. Et l'homme qui vivait ici, où est-il? C'était sans doute un naufragé, lui aussi. En tout cas, il a trouvé le moyen de quitter l'île. Peut-être qu'un bateau est venu le recueillir. Les autres, il faut retourner sur la côte. Et voilà! Ah! Ouais, ouais, Denis Fan! Vous allez bien? Alors ça va. On en a des choses à vous raconter. Ah, on a découvert une carrière. Et bien, je vais tout ce que je veux dire. Allez, prenez mon fusil. Passez pas sur le chien. Passez pas sur le chien. Faites attention à ce que vous dites. Et vous, ça va? C'est pas mal, hein? Bien. Combien de temps il faut, vous croyez, pour devenir squelette? Vous pouvez pas parler d'autre chose, non? Non, mais vous vous rendez compte? Quoi? Toute notre vie ici pour finir comme ce squelette? Il faudrait se décider à faire quelque chose. On ne peut pas rester éternellement sur l'épave ou sur cette plage. D'autant plus que les prochaines marées vont certainement la déplacer. Bah, où voulez-vous aller? Pourquoi pas dans la caverne? Avec le squelette? Ah non, merci! Bah, on l'enlèvera, c'est pas difficile. Et s'il passe un bateau, on le verra pas. Si on ne pense qu'à attendre un bateau, moi je vous le dis, on est fichu. Il a raison, il n'y a que la grotte. Puisqu'on est sur une île, on va aussi mettre un pavillon sur la plage sud. Faudrait faire un deuxième mât. Du matériel, nous en avons. Vous voyez que j'avais raison d'y tenir. Mais comment le transporter jusqu'à la grotte? Bah, d'après le plan de l'île qu'on a trouvé, on devrait pouvoir y aller en radeau. Mais on peut essayer.
Ça ne sert à rien, votre truc. Je ne sais même pas où on est. On ne sait jamais. S'ils la trouvent, ils sauront qu'on est toujours en vie. Et puis, avec les courants, ils pourront en gros déterminer son trajet. Oui, en gros. Comme avec le sextant de Wilcox. Des chèvres ici, c'est bizarre. Voilà qui est bon à savoir. Un gibier de choix qui fera d'excellents rôtis. Tuer ces pauvres bêtes et pourquoi? Pour la raison qu'il s'agit de survivre. Nous ne sommes pas à Auckland. Ici, c'est elle ou nous. Vous allez voir qu'au nom de ce principe, notre brillant chasseur va nous proposer d'abattre le plus dodu d'entre nous. À votre place, Iverson, je me méfierais. Il est facile de rire de tout, brillant. N'empêche que si je n'étais pas là, ce ne sont pas vos coups de fusil qui apporteraient beaucoup de viande fraîche. Vous rateriez une vache à 10 pas. Eh ben, la belle affaire. Nous nous ferions végétariens, ça rend l'humeur moins belliqueuse, paraît-il. Libre à vous de faire le ruminant. Je préfère être un ruminant qu'un chacal. Et c'est moi le chacal? Prenez-le comme bon vous semble. Oh, ça suffit, vous n'allez pas recommencer, non? Ils sont fous. Arrêtez, nous battons ça. La provision. Oh, c'est bien, laissez-les là, brigand. Les sacs. Les sacs à provision. Oh, mais ça suffit. Allez, arrêtez de vous battre. C'est bon, ça, là. Voyons. Enfin, vous revenez. Vous êtes bien avancé maintenant, hein? Prends-moi la main. C'est pas possible. Tenez, prenez le sac. Aidez-moi. Passer la nuit dans ce trou? Vous préférez dormir à la belle étoile? Ah, pour neuf, il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Eh, excusez-moi, j'ai pas trouvé mieux. Et le squelette, où est-il? Il n'a pas bougé. Il faudrait l'enterrer, pas trop près d'ici.
Demandez donc à Brion de vous aider, je ne me ressens pas tellement pour jouer les croque-morts. Ben, on a les outils qu'il faut. Je crois qu'en s'y mettant à deux, ça sera vite fait. Moi, personnellement, il peut rester où il est, ça me gêne pas. J'en ai plein le dos, si vous voulez le savoir. Si vous comptez dormir dans cette grotte, il faudrait d'abord donner un coup de balai. Vous n'avez qu'à balayer vous-même si la poussière vous dérange tellement. Ça ne fait rien. J'aurais pas cru qu'on en arrive là. On a vécu un tas d'aventures ensemble, et depuis que nous sommes sur cette île, rien ne va plus. Est-ce que le chien a fait quelque chose? Rien d'intéressant. Par contre, je vous ai entendu. Ce qui nous manque ici, eh bien, c'est un chef. Vous avez trouvé ça tout seul? Inutile de vous moquer. C'est mon avis, je le donne. Il n'a peut-être pas tort. Un chef? Oui, je serai assez pour. Baxter, votre avis? Sur un bateau, il y a toujours un capitaine. Il doit bien y avoir une raison. Dick, vous êtes d'accord? Depuis toujours, on m'a donné des ordres, alors j'ai l'habitude. Ouais, nous devons tous nous engager à obéir. Mais on s'y engage du moment qu'on choisit un chef. Personnellement, j'aime pas beaucoup les chefs, mais si tout le monde est d'accord... Tout le monde est d'accord. Reste à savoir qui vous voyez comme chef. Ça, c'est une autre question. Eh oui, qui? Il suffit de voter, rien n'est plus simple. Et comment on fait? On met un nom sur un bout de papier, et puis celui qui a obtenu le plus de voix est élu. Mais c'est complètement idiot, chacun écrira son propre nom sur son papier. Ouais, ça ne sert à rien, je crois que Gordon serait bien comme chef. C'est votre affaire, vous n'avez pas le droit d'influencer les autres. Bah, j'influence personne. Je crois que les papiers, c'est mieux. On appelle ça des bulletins de vote. Allez au travail. Dick? Moi aussi? Bien sûr, vous aussi. Iverson, donnez-moi votre casquette. Que chacun plie son papier et le mette là. Vote secret. Pourquoi? Moi, j'ai inscrit Gordon. Taisez-vous, c'est sérieux. Gordon, Doniphan, Gordon, bulletin blanc, Gordon, Doniphan, Gordon, Gordon, Brillant. Gordon est élu par 5 voix sur 9. Bravo. Bon, ben, on s'occupera de la clôture après. Pour le moment, on va nettoyer l'intérieur. Réveille-toi, vieux phoque. Tu sais, je crois que ça y est. J'ai enfin trouvé ce que je voulais. Quoi? Je peux rien te dire. J'ai rendez-vous avec un homme demain matin et tout sera réglé. Ouais, j'ai un beau petit voilier à te vendre. C'est une occasion unique. Tu trouveras jamais une affaire aussi avantageuse d'ici à San Francisco. Et tu en demandes combien? 28 000 seulement. C'est une bagatelle pour un voilier comme celui-là. On m'a dit que tu avais eu la fièvre jaune à bord. Il a été entièrement désinfecté il y a 3 mois. Ouais, je vois pourquoi tu veux t'en débarrasser le plus vite possible. Bon, alors je t'en offre 15 000 livres comptant, pas un sou de plus. Ouais, tu sais, je veux bien t'arranger. Mais à ce prix-là, je ne donnerai ni les vivres ni l'équipage. Bien sûr. Pour l'équipage, j'ai tous les hommes qu'il me faut. Alors, on est bien d'accord? Ouais. Voilà. À la nôtre. C'est fait, les gars. J'ai installé un fanion sur la plage sud. Ça sert à rien, fanion. Faudra en mettre tout autour de l'île. Venez, Dick, on va travailler là-haut. Deux sacs de fèves, un baril de viande salée. C'est tout? Vous savez bien que l'autre partie a été perdue sur le radeau. Vous avez fait de la belle ouvrage ce jour-là. Il avait été promis qu'on n'en parlait plus.
Ah, encore deux sacs de riz. Et un baril de... Qu'est-ce que c'est ? Ah, ginger ale. Très bien. Gordon, il nous faudrait du fil de fer. Vous en trouverez à l'intérieur. Mais prenez pas tout, il en faut pour les collets. Si Wilcox et ses services voulaient bien nous aider, on ne dirait pas non. Je suis désolé, je les ai envoyés en mission. Et Doniphan ? Sa Majesté chasse. Et qu'est-ce que c'est que cette herbe ? Oh, de la chicorée sauvage. Assez amère, mais comestible. Et les chèvres, où elles sont ? J'ai vu leurs crottes un peu partout. Elles ne peuvent pas être loin. Avec deux chèvres, nous aurons du lait tous les jours. Et il paraît que Baxter sait comment faire du fromage. Regardez. Comment va-t-on les prendre ? C'est facile. Je vais d'abord m'approcher d'elle, tout près. Ensuite, avec ça, ça s'appelle des bolasses. Les sauvages les utilisent. Si on les lance bien, on entrave les pattes de la bête et on la paralyse. Vous savez vous en servir ? On verra bien. Allons-y. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Au secours ! Je sais pas, ce machin-là nous est tombé sur la tête. Vous êtes blessé ? Wilcox s'est foulé la cheville. Moi, ça va. C'est tout de même bizarre ce qu'il est. Vous l'avez mis là ? Oui, bah comme ça, vous nous embêterez plus avec ce squelette. Tiens, voilà les autres qui reviennent. Allons bon, que se passe-t-il encore ? Je ne pense pas que ce soit trop grave. Ce n'est qu'une petite entorse. Par contre, cette histoire de piège... Je crois que le naufragé les avait placés là dans l'idée de capturer des bêtes. Et l'arbre, l'autre jour, qui a failli tuer service. Là, il se peut que ce soit un accident. Non, j'ai réfléchi depuis. J'ai l'impression qu'il avait été taillé exprès. Ce n'est qu'une impression. L'explication de Dixon est très vraisemblable. Ce serait une bonne idée de se servir de ce truc pour attraper les chèvres. Alors, vous avez fini ? Oui, vous pouvez y aller. Messieurs, l'eau courante à domicile. Décidément, c'est le grand luxe. Comme ça, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous laver. Venez, Dick. Pour fêter ça, je débloque la terrine de pâté de Monsieur Witherspoon. Chic alors.
près des deux roches de la côte sud. Si je n'avais pas fait attention, je tombais dans une trappe dont le fond était hérissé de pieux. Après l'arbre de service et le filet de Wilcox, c'est tout de même troublant, non? Je pense que ces pièges sont destinés aux hommes et non aux bêtes. Il y aurait des hommes ici? Il est probable que tout ça a été installé par le naufragé. Ce n'en est pas moins dangereux pour nous et il pourrait y en avoir d'autres. Alors, ce pâté, c'est pour aujourd'hui? Ça vient, petit ogre. Il faut penser à faire du feu dans cette caverne, les gars. Il pourrait geler cette nuit, j'ai vu des canards sur le lac. Mais on va être enfumé là-dedans. Merci. Il faut trouver un système de cheminée. Faites passer les assiettes. Ah, comment c'est pas à manger, vous? J'ai oublié les biscuits. Alors, oui, vous êtes gourmand, alors. Oh, bon, enfin. Il a pas l'air mauvais, c'est pâté. Bon, et encore un petit peu pour moi, s'il vous plaît. Vous en aurez tous, ne vous inquiétez pas. Hé, hey, nous alors? On avait déjà eu. Ça a l'air délicieux, ça. Elle est bonne, la théorie. Witherspoon est une perle. Eh bien, Garnett, vous ne mangez pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien le 20 mai aujourd'hui. Oui. C'est l'anniversaire de maman. Écoutez, il vaut mieux ne pas penser à ça. Pour vous, c'est facile, vous n'avez pas de famille. Je ne suis pas le seul, du reste, à avoir l'impression que vous ne faites rien pour nous sortir d'ici. Si vous pensez ça, je ne suis pas le chef qu'il vous faut. Excusez-moi. Gordon, il faut rentrer. Il a dit ça sans réfléchir. Si, il le pensait. Et il n'avait peut-être pas tort. Allons, venez. Entre nous, Doniphan a un peu honte. Il voudrait bien s'en sortir. Aidez-le. Allez, allez, venez. Si vous voulez, demain matin, Baxter, Brayon et moi, on pourra aller couper des roseaux et chercher du bois. Oui, c'est une bonne idée. Allez, faites-moi plaisir. Mangez votre pâté. Qu'il fait encore? Hé, hey, regardez-moi ça s'il est beau. Là-bas, près des roseaux, j'ai vu plein d'arbres morts. Doniphan, venez-vous ou non? Non. Weldon, vous savez que Gordon a interdit que nous nous séparions. Il ne vous restera plus qu'à me dénoncer quand nous rentrerons. Allez, venez. Il pourrait quand même venir nous aider, c'est pas gentil. Vous savez, lui, quand il chasse. Mais où a-t-il bien pu passer? Doniphan! Doniphan! Doniphan!
Donnie Fan. Donnie Fan. Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Regardez cette fumée. Donnie Fan. Qu'est-ce que c'est? C'est le sac qui lui servait de gypsière. Venez, on va aller le chercher par là. Donnie Fan! Le voilà! Donnie Fan, revenez à vous! Il est évanoui. Aidez-moi. N'est-ce pas? C'est surtout à Brillant. C'est lui qui vous a vu inanimé, au milieu des flammes, et qui vous a ramené sur son dos, au péril de sa vie. Oh, n'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Je crois décidément, Jacques, que vous valez mieux que moi. Je vous prie de me pardonner de tous les torts que j'ai envers vous. Parlons plus de ça. Et dites-moi plutôt quelle idée vous a pris d'allumer ce feu. Comment, quelle idée? J'allais vous poser la même question. Ce n'est pas vous? Ah, naturellement, non. J'étais à l'affût quand j'ai aperçu à une centaine de mètres une colonne de fumée. J'ai cru que c'était vous et je suis venu voir. Mais alors comment ce feu a-t-il pu prendre? Non, ce n'est pas possible. Le feu ne peut pas avoir pris spontanément dans les roseaux. Et quand concluez-vous? Je ne sais pas. Soyez logique. Si le feu n'a pas pris tout seul, c'est que quelqu'un l'a allumé. Comme ce n'est pas nous, en réalité, il y a quelqu'un d'autre sur l'île. En tout cas, cette fois, ça ne peut pas être le naufragé. Dieu est son âme. À moins qu'il s'agisse de fantômes qui vous sont si chers à vous autres Écossais. Mmh. J'ai du mal à croire que s'il y avait quelqu'un sur cette île, il ne se soit déjà manifesté. Bon, quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je vous recommande de quitter la grotte le moins possible et de ne jamais sortir seul. La neige, les amis, la neige, venez voir. Et venez voir, c'est beau, c'est merveilleux. Pierre-Louis, ne vous éloignez pas. Attendez-nous. Fan, viens voir. Elle est pas tard, Fan. Viens, mon chien.
Oh, c'est joli. Oui, c'est joli, mais c'est l'hiver. Bah, hiver ou pas, c'est tout de même joli.